Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Bon, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un glitch pour vous. Bon, il sera pas solo, mais il est facile à faire. Donc tout le monde pourra le réussir. Il vous faudra le bunker, il vous faudra le camion mobile, bien sûr, un ami, être en visée libre, d'accord? Parce qu'on va rejoindre quelqu'un en visée assistée. Donc on pourra rejoindre à peu près tous les joueurs, puisqu'ils sont pas dans les glitches en ce moment. Donc mettez-vous en visée libre, comme ça, à un moment. On va rejoindre un joueur en visée assistée. Ça, c'est obligé. Vous pouvez le faire en session sur invitation. Ça, personne ne vous emmerde. Bon, même si vous êtes dans le bunker. Donc, en gros, vous pouvez le faire un peu partout. Donc, invitez un ami dans votre session. Vous prenez une RH8. Donc là, j'ai pas la RH8. On va mettre une RH8 dans le camion. Un ami dans le camion. Et c'est bon. Donc en plus là, j'ai trouvé même une technique. Si jamais vous n'arrivez pas à vous bugger, vous verrez. Donc vous ratez une fois, ça veut dire que vous n'êtes pas bugué. Vous faites une petite manip et vous serez bugué de suite. Donc il est vraiment rapide. Vous ferez une petite duplication allez, en 10 minutes. Tout casser. Donc moi j'ai mis le temps parce que je vous explique et tout. Allez, vous faites une duplication en 5 minutes. Donc pensez après quand vous aurez fini. De tous les deux, donc vous allez en session sur invitation, donc dans l'éditeur, session sur invitation, apparition au bunker. Et votre ami, il faudra qu'il change de session avant que vous puissiez l'inviter. Donc pensez à ça pour que il n'y ait pas marqué désactiver les invitations. Donc il est vraiment facile, je suis content de vous le présenter, celui-là. Donc j'espère les gars vous allez faire un gros big up à José. C'est Jojo. Jojo, c'est pas Zone 78, c'est Jojo. Je vous mets sa chaîne dans la description. Si vous pouvez lui faire un peu de buzz, c'est lui qui nous a traduit le glitch. Il m'a dit poto, regarde, j'ai ça, on fait comme ci, comme ça. Donc si tu peux le présenter sur ta chaîne pour tes abonnés. Les gars, j'espère vous allez assurer. Allez vous abonner à Jojo. Ce glitch, vous l'aurez eu ce matin, bon. Vous l'aurez eu avant moi. Parce qu'il a présenté à ses abonnés. Donc n'hésitez pas. D'accord? Je compte sur vous. Je sais que vous le faites. Moi, je vous fais abonner à des bonnes personnes. Donc Jojo, c'est un chef de crew. Il aide tout le monde. Franchement, il mérite un gros buzz. Allez, je vais rentrer la RH8 dans le camion. Une fois que j'ai rentré la RH8, les gars, on invite notre pote. Et notre ami, ça va être simple, hein. Il n'a rien à faire. Il a juste à se mettre dans le message des joueurs en mode histoire. Là, vous voyez, dans ce message. Il reste dans ce message. Il faut qu'il soit dans le camion. Et c'est à nous de faire la manip. D'accord? Il y aura juste un moment. Quand on reviendra, il lancera la mission Martin. À la cool, le poteau. À la cool. Gros GG à Jojo. Donc là, une fois que votre ami il est dans le message, vous sortez et vous rentrez le véhicule. Donc moi je vous explique. Je me suis fait bugger parce que je vous ai montré le message. D'accord? Donc là, vous verrez, ça ne va pas réussir. Et au moins, ça me permet de vous montrer que si vous ne réussissez pas à vous mettre en bug, donc en OTR quasiment, hein, on va dire en OTR, c'est tout invisible. On a trouvé une petite solution qui fonctionne de suite. Donc c'est vraiment un glitch stable. Je vous le conseille, d'accord? Parce qu'il y a eu l'after patch avec OBS Giraffe sur notre glitch solo, mais il est trop compliqué à faire. Parce qu'il y a des patchs sur le camion quand on est deux. Donc ça marche une fois sur trois. Là, il n'y a pas de timing, les gars. Une fois que vous avez re-rentré le véhicule, vous ressortez à pied. Et là, il vous faudra spammer R2. Donc dès que vous allez rentrer là, dès que vous avez l'écran noir, R2. Vous spammez R2 jusqu'à temps que vous soyez invisible à l'intérieur. Allez, vous voyez là, j'ai pas bugué à cause de mon message. Donc pour vous débugger quand vous n'arrivez pas comme ça, vous remettez le message du mode histoire, vous le refusez, vous rentrez, ressortez le véhicule. Et là, ça marchera les potos.
Gros GG à Jojo. Ah, c'est pas la première fois qu'il vient m'aider, le Jojo. Il déchire. C'est un bon. Allez, on re-rentre le véhicule. Pareil, tout ça, c'est des petites méthodes à Jojo. À force de l'essayer, hop, il a trouvé des petites astuces, les gars. Donc, restez à l'affût, je vous le dis. Si vous voulez dupliquer, il y a pas mal de monde qui bosse dur. Allez, ok, là, on est ressorti. Je re-rentre après et spammer R2. Ok? Vous spammez le R2, normalement, vous devez être invisible. Enfin, tout doit être invisible dans le camion, sauf le véhicule. D'accord? Voilà. Là, c'est nickel. On a réussi. Donc là, on va lancer le braquage. Comme on faisait avant. Donc on lance Lester. On va se retrouver à l'appartement. Et on va chercher notre véhicule qu'on veut dupliquer. Donc vous pouvez choisir n'importe quel véhicule. Ça marche. Moi, je vous conseille fortement des voitures de chez Beniz. Comme la Elegy Custom Retro. C'est ce qui vous rapportera de l'argent. Le reste, ça vous rapportera rien. Tout ce qui n'est pas de chez Beniz, vous pouvez même plus les vendre. Donc faites pas n'importe quoi. Customisez-vous une voiture. Faites la transformation. Donc voiture de chez Beniz avec transformation. Là, de suite, ça vous rapportera dans les 500, 600 000 minimum. Ok? Donc là, vous allez où un peu où vous voulez. Vous allez chercher le véhicule que vous voulez dupliquer. Donc je sors par là parce que je voulais vous montrer, mais vous pouvez aller directement dans le garage. Hein. Donc ce glitch, les potos, il marchera pour Xbox, il marchera pour PS4. Donc vous voyez, parce qu'on utilise la visée est différente. Dans l'après-midi, je vous sors le glitch, où vous aurez besoin de personne, que d'un ami. Il est un peu plus difficile à faire, c'est pour ça que je vous le présente après. Mais vous aurez juste l'activité récente. Voilà, vous n'aurez pas besoin d'un autre ami qui est en visée différente. Allez, vous prenez votre véhicule que vous voulez dupliquer. Donc moi j'ai choisi celui-là au hasard. Hein. Faites pas attention. Prenez une Elegy. Là, vous sortez votre pavé tactile, vous appelez votre camion. Dès que votre camion est arrivé, vous allez mettre cette voiture dans le camion. Et c'est là qu'on va avoir l'écran noir. Donc on va avoir un écran noir infini. Et on va rejoindre un ami avec une visée assistée. Puisque moi je suis en visée libre. Avec une visée différente. Et vous allez voir comme par magie, il y aura deux véhicules dans le camion. Donc là, vous faites flèche de droite, vous rentrez. Boum, cinématique du bunker. Écran noir infini. C'est là qu'on va faire PS. Vous allez rejoindre un ami dans une visée différente. Vous allez accepter le premier message et refuser le deuxième. Le deuxième, c'est changement de mode de visée. Donc celui-là, je l'accepte. Celui-là, je refuse, je fais rond. Et là, vous voyez, je suis bugué avec les deux véhicules. D'accord? Donc maintenant, c'est votre ami qui va jouer le coup là. Moi, j'appuie sur. Je reste appuyé sur L2. Absolument L2, d'accord? Vous restez appuyé là. Mon ami, il va sortir du message et il va lancer une mission Martin. Dès qu'il est dans la mission Martin, il pourra quitter cette mission. Moi, je reste appuyé sur L2 jusqu'à temps que je sois éjecté. Enfin, injecter que je sois dehors, en dehors du camion. Voilà. Donc, je vais être en dehors. Le véhicule, il sera en bas au port, sous la map. Donc là, vous tout le temps, vous restez appuyé L2. Pas R2, L2, les gars. Donc, vous restez appuyé sur L2. Vous voyez, hop, je suis dehors. Ok? Mon véhicule, il est là-bas au port. Comme pour le glitch à José, à zone 78. D'accord? C'est une sorte d'after patch, en fait, hein, parce que on se retrouve avec le même système. D'accord, les gars? Donc là, moi, je lance Martin. Je lance une mission Martin. Je la quitte. Ça va me faire apparaître le véhicule à mes pieds. Bon, en général, le véhicule, il revient, il est bugué. D'accord? Allez-y avec le camion. Vous mettez le camion devant le véhicule. Vous rentrez dans votre voiture dupliquée. Et vous faites flèche de droite.
Donc là, je vais aller voir le véhicule, on ne sait jamais, mais le plus souvent, ils seront buggés, les véhicules. Il vous faudra ramener le camion et le mettre dedans. Voilà, donc là, la duplication, les gars, elle est faite. C'est pas plus dur. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de synchro, il n'y a rien. Vous avez juste besoin d'un pote. Donc si vous n'avez pas de pote, les gars, allez-y dans la messagerie, dans le message de la vidéo, demandez, mettez votre tag, votre nom de joueur, votre console, d'accord? Entraidez-vous, c'est fait pour ça les glitches, hein. Donc gros merci à Jojo, allez dans la description, les potos s'il vous plaît, invitez-le, abonnez-vous, il est génial, et c'est vraiment un bon gars. Abonnez-vous les gars à la chaîne, mettez la cloche, un petit like, ça fait plaisir. Et je vous le referai en live pour ceux qui arrivent vraiment pas, mais là vous n'avez pas de raison. Hein. Il est vraiment facile. Facile, facile à faire. Donc là vous voyez, je mets le camion au cul. Et en avant Guingamp, je rentre dans la duplication, je fais flèche de droite. Et le véhicule est à moi. Donc les gars, pour recommencer, n'oubliez pas. Moi, je vais aller dans Éditeur, je vais relancer une session sur Invite. Donc, vous pouvez faire ça dans n'importe quelle session. Jojo qui m'a aidé, il est dans une session, elle est buggée. Toute la session est buggée. Il devra changer de session pour que moi, je puisse l'inviter dans ma session sur invitation. D'accord? Pensez-y à ce petit détail pour pas perdre de temps. Et là, vous pouvez enchaîner. Donc, moi, j'ai mis apparition au bunker. Bim. Là, je peux enchaîner toutes les 10 minutes, j'ai une petite duplication. Voilà. Donc le glitch il est stable, il vaut le coup franchement. Les gars, je compte sur vous, faire un max de bruit, montrez-le un peu à tout le monde. Donc il y a 3-4 glitches qui sont disponibles, mais ils sont vraiment plus difficiles que celui-là à faire. Donc je vous présente le plus difficile en premier, et je pense que je vous présenterai les autres. Voilà. Donc on est sur une piste d'un solo aussi, donc vous inquiétez pas, des glitches, il y en a, et il y en aura toujours. Donc là, vous voyez, ça c'est l'original. Et j'ai la duplication dehors. Les gars, j'espère que vous allez vous régaler encore une fois. Gros big up à vous tous. Merci pour les 3300 abonnés, les gars. C'est énorme. Ça devient fou. Une grosse communauté comme ça. Je vous lâche pas. Et toujours à l'affût, les potos. Ciao, ciao, à bientôt.